bagarre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. 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 Comment allez-vous ce soir? Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission où ça se bastonne quand même un peu grave. Merci Scorpaint pour les 100 bits d'entrée. Hello à toi, hello the bitbap kid, hello Salomé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes vendredi soir et vendredi soir, vous le savez, c'est le début du week-end, sauf pour certains. Voilà. Et ça, c'est triste que ce soit le début du week-end, sauf pour certains. Je suis tout seul ce soir. J'ai voulu appuyer sur mon piano, mais il n'a pas fait de bruit. C'est dommage. Ce soir, la bagarre. La bagarre et de la violence. De la grosse violence. Bien sale. Bien violente. Bien terrible. Bien. Mais bien. Et je sais déjà plus quoi dire. Quoi vous raconter de beau. À part que cette semaine... a été est passé rapidement finalement est passé rapidement. Je me suis rendu compte que sur TikTok j'avais posté une t'as déjà vu le match au fait hein comment et je me suis rendu compte que sur TikTok j'avais posté une vidéo que j'ai pas osé remettre sur Instagram parce que c'était vraiment trop nul. En fait, j'avais enregistré 30 chansons et celle-là, je savais déjà que c'était la plus faible des 30 que j'avais enregistrées. Mais au dernier moment, je me suis ravisé. Je l'ai mis sur TikTok parce que je m'en fous, mais sur Instagram, c'est triste parce que quand tu postes une vidéo que c'est de la merde, tu perds des abonnés en fait. Les gens, en un clic, ça y est, ils te suivent plus. Et ça m'a fait peur. Alors, comme je viens de dépasser la barre des 9000 des 9000 followers, j'étais en mode. J'ai envie de garder 9000 followers pour le moment. Celle de dimanche, j'ai plus confiance. On verra. On verra. Voilà. Et à côté, j'écris déjà, je suis sur les nouvelles. J'espère qu'elles feront rire, tout ça, voilà. Avec le temps, tout s'en va. On oublie les visages et on oublie la voix. C'est pas ça du tout. Vous êtes pas beaucoup ce soir ou c'est moi qui rêve? Ou il y a plein d'en retard peut-être? Il y a plein de gens en retard? On va dire que c'est ça. Je vais regarder un petit peu parce que je suis curieux. Moi, je suis curieux. Je suis une nature curieuse. Hop. 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 Pourquoi il faut cliquer autant de fois pour avoir cette information? Ah oui, il n'y a personne. Ah oui. Ah, that makes mal au fion. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ce soir, c'est la dèche. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait ce soir? Il y avait un... Il y avait quoi de spécial? Il n'y avait rien de spécial pourtant. Pourtant, voilà. C'est la déchéance de grosses bagarres. Les gens, ils sont pas prêts pour la saison prochaine. Non, mais c'est vrai que j'y ai déjà réfléchi à cette éventualité si grosse bagarre venait à perdre des gens. En fait, c'est surtout que le problème, c'est surtout que en fait, il y a pas de nouveaux gens qui rejoignent le truc. Donc, en fait, dans la logique des choses, même si je sais que vous êtes formido, tout ça, que vous suivez l'émission, il y a plus de chances pour que les gens partent, pour que des gens arrivent. Et c'est vrai, je ne vais pas vous le cacher, que cette saison-là, je l'ai énormément bossé. C'est-à-dire que j'ai passé presque tout mon été dessus. Salut Caveman, comment ça va? Pas de soucis. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. J'ai énormément bossé sur cette saison-là pendant tout l'été.
Et finalement, je commence à me dire que les histoires, c'est très chronophage à faire. Ça m'a pris tout l'été, en fait. Et finalement, ça, même si c'est pour vous, vous êtes gentil et tout, bah, je me dis, c'est pas très rentable, cette histoire. Donc, peut-être que la saison prochaine, il n'y aura pas d'histoires comme j'ai fait là. De toute façon, je ne peux pas les faire d'une qualité meilleure que ce que j'ai fait, sinon ça me prendrait beaucoup, beaucoup trop de temps. Je suis tout seul à faire ces choses-là. Et ouais. Mais je sais pas. Et c'est vrai que dans l'éventualité où les gens ne regarderaient plus Grosse Bagarre du tout, en tout cas sur Twitch, sachant que j'aime quand même cette émission, que j'ai un amour profond pour cette émission, peut-être que la solution sera ensuite de faire une émission sur YouTube, mais pas en direct, quoi. Ça me rendrait triste, hein, de faire ça. Mais si un jour, vraiment, bah, les gens sont lassés de Grosse Bagarre et qu'il n'y a pas de nouvelles personnes, tout rien, et que bah, je suis tout seul à avoir ce délire-là, c'est plus la peine, c'est plus rigolo. C'est plus rigolo. Donc, voilà. J'ai déjà eu ce genre de réflexion, ce genre de pensée, ce genre de... Ouais. D'abnégation, le temps le dira. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que le temps passe et que là, l'année prochaine, on va fêter les 3 ans de Grosse Bagarre et j'ai vu les choses un peu en grand, mais sans les histoires, donc pour me donner du temps, mais en même temps des trucs. Voilà. Et voilà, je sais que la prochaine saison qui arrive, c'est une grosse saison. Et je me dis, bah, à chaque fois, on essaie de step up dans la bagarre. Et ça suit pas sur Twitch. Alors je sais pas si c'est Twitch qui propose pas forcément ma chaîne ou si c'est vraiment un public trop niche ce que je fais, mais c'est vrai que ces temps-ci je me pose beaucoup de questions sur comment on fait avec Grosse Bagarre, parce que j'ai envie de continuer Grosse Bagarre. C'est un truc, voilà, si je peux faire Grosse Bagarre dans 3 ans, je serai encore sur Grosse Bagarre dans 3 ans. Alors, en attendant, comment ça va? Bah écoute, Salomé, on était en train de parler de l'avenir de cette émission incroyable qui est Grosse Bagarre. J'en arrive petit à petit. Ah bah oui. En attendant, on va faire un petit état des lieux. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez après. Hein. Salut Rémi, comment ça va? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, vous... dans les chats. C'est vrai que j'avais déjà fait un petit questionnaire sur Grosse Bagarre, tout ça, sur la façon dont ça pouvait évoluer, tout ça, voilà. Voilà. De toute façon, c'est un concept plutôt suivi par les anglo-saxons, même si c'est fantasy comme Grosse Bagarre. Ouais. Après, je pourrais faire l'émission en anglais, hein, mais ça serait pas forcément hyper agréable. Mais c'est vrai que c'est difficile. Enfin, je pense que ouais, c'est un public de niche. Et puis, je pense que Twitch ne met pas beaucoup en avant. Enfin, je comprends parce que je suis pas j'ai pas énormément, mais je suis dans la masse, quoi. Des gens qui ont 10, 12. 14 jusqu'à 15, moi je me plains pas du nombre de viewers, c'est bien, on passe un bon moment, on est à la cool, tout ça, voilà. Mais comme toute personne, j'ai peur que ces bons moments s'arrêtent. Alors, on va regarder les points de chaque équipe. Parce qu'il y a du mouvement, chaque semaine, ça bouge. Franchement, c'est une saison super intéressante parce que ça bouge, ça se bataille. Les équipes sont au couille à couille et franchement, incroyable. Ça avance très bien cette saison et je suis content de cette saison. Point. J'essaierai de trouver aussi pour la saison prochaine un petit remake du point. Bon, ça apportera pas de points, mais au moins ça sera rigolo de l'activer, ce truc là
Le point... Ah ouais, carrément, le point dedans. Ah ouais. Ah ouais. Alors, les médecins sans pitié. Les médecins sans pitié, pour le moment, ils sont 7e avec 25 points. Ils sont 7e avec 25 points. Et oui, c'est un peu triste d'être 7e quant à l'équipe des médecins sans pitié. Mais bon, ils sont pas forcément hyper bons. Mais c'est pas grave, hein. Ils essaient de tenir le coup avec force, avec fracas, et on sait qu'ils peuvent revenir, même si là c'est compliqué parce qu'ils ont quand même près de 10 points de retard sur le 6ème. On a deux équipes qui sont vraiment en peine, et les médecins sans pitié sont l'une de ces deux-là. En même temps, mauvaise saison des hommes, hein. C'est vraiment les hommes des médecins sans pitié, là, ils font vraiment une très mauvaise saison. C'est les seuls qui n'ont pas encore dépassé les 10 KO. C'est les seuls qui n'ont pas dépassé les 10 KO. Imaginez bien que les femmes de Pavillon Bleu, à elles seules, ont plus de points que toute l'équipe des médecins sans pitié. Et ça, ça fait mal. La volière, pour l'instant, ils sont 6e avec 33 points. Donc, attention, mais c'est pas non plus hyper inquiétant ce stade-là de la compétition parce que ils sont qu'à 1 point du 5e, à 3 points du 4e. Tout peut arriver et on sait que la volière, ils ont de très bons éléments. Bon, ils ont aussi un très mauvais élément. Non, j'ai des petites allergies. Alors, c'est l'automne, mais j'ai des petites allergies. Et je suis très fatigué aujourd'hui. Je suis très fatigué aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je devais écrire un chapitre de mon roman, mais j'ai pas réussi. J'ai passé mon temps sur l'IA, à faire des conneries, à essayer de faire des trucs à droite à gauche. Mais voilà. Enfer et bière, ils sont deuxième avec 42 points. 42 points, deuxième. Ils étaient premiers la semaine dernière et ils se sont fait. Ils se sont refait dépasser. Voilà, parce que c'était ceux qui étaient premiers qui sont repassés devant. Tout ça, voilà, bon, on spoil pas, mais vous savez très bien de qui je parle, si vous suivez la saison. Les Beautiful Angels, ils sont troisième pour le moment avec 39 points. 39 points, incroyable. C'est très bien, mais attention, ils n'ont que 3 points d'écart avec les quatrièmes. Mais ils sont à 3 points des deuxièmes. Donc, pour l'instant, une très bonne saison des Beautiful Angels. On espère qu'ils iront plus loin. La Team Titan, ensuite, ils sont quatrièmes avec 36 points. 36 points, donc voilà, ils sont pas loin des 5e qui ont 34 points, mais ils sont pas loin des 3e avec 39 points. Comme d'hab, c'est à eux de faire le taf maintenant. La Team Titan qui, attention, est moins forte du côté des femmes, voilà, notamment. Mais, et qui a la meilleure équipe masculine, me semble-t-il. Oui, les Team Titans, c'est la meilleure équipe masculine. Fritz Squad qui pour le moment est 5e avec 34 points, donc ils sont qu'à 1 point des 6e, faut faire attention. Ils sont dans ce peloton, on va dire, au milieu, dans ce peloton, et voilà, ils peuvent s'en sortir, peut-être qu'ils peuvent encore gagner la saison, mais il va falloir faire de très bonnes performances, sachant que moi je ne comprends pas comment cette équipe peut être aussi basse, sachant qu'ils ont quand même une dream team, hein. Entre Valestrian, Patrick Deladeco, Renard Génial qui était deuxième, Langue de pute, AI Caramba qui fait une très bonne saison. C'est quand même surprenant. Pavillon Bleu. Forcément, les voilà. C'est eux qui sont premiers pour le moment avec 45 points. 45 points du Pavillon Bleu qui signe un début de saison extraordinaire. Là, on arrive à la mi-saison. On verra si à la mi-saison, ils sont toujours premiers. Mais en tout cas, ils ont été exceptionnels et encore exceptionnels avec franchement du bon taf de la part des hommes, mais surtout un taf extraordinaire de la part des femmes qui sont à 28 points à elles seules, 28 points à elles seules, 17 points pour les hommes, et c'est la meilleure équipe des féminines en fait de la compétition pour le moment. Donc voilà, Cassandre, Marinette, Yamatoshi sont en train de casser le game. Tout simplement. Et on termine par le terrier qui est dernier pour le moment, 8e, avec seulement 24 points. Mais tout n'est pas perdu, ils peuvent éventuellement espérer la 7e place encore en ayant 25 points. Le problème du terrier, c'est très simple, c'est que Plume et Henri Gustave sont plutôt pas mal, mais Gouteille et Plastron ratent leur saison, et Stasia et Zenka ne sont pas au niveau, tout simplement. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Voilà. Souvent, parfois, dans les nouveaux, c'est comme ça. Là, c'est bizarre que ce soit les deux nouvelles qui se fassent, mais vraiment péter la gueule.
Il est tout seul, Pam Poitou. Tu veux présenter avec moi, Salomé? À voir. Ah oui, Salomé animatrice. Ah pourquoi pas? Pourquoi pas? On attend la réponse. On va dire que c'est un droit de modo. Bon, en attendant. Qui ne fit mi consent? Pardon? Let's go. Ah, oui, j'ai compris. Qui ne dit mot consent, voilà. Parce que qui ne fit mi consent, c'est bon, tu peux justifier, avec, tu peux tout justifier. Qui ne fit mi consent? Ah bah c'est bon alors. Moi animatrice. Ah, Salomé qui... Moi animatrice. Oui, c'est acté. Bah, si tu veux. Je ne travaille plus avec la cile, Salomé. Terrible. Ah, c'est gênant. Voilà, bon, au moins on sait où on est, où nous en sommes de toute façon là pour cette émission. On va pas, voilà, on va pas organiser ça au dernier moment. Voilà, je vais faire ça tout seul, mais on verra pour, peut-être. Alors si je peux, oui, mais j'ai pas le matériel. Ah, c'est compliqué du coup. C'est compliqué. Ah bah à l'époque de grosses bagarres, on faisait ça enfin à l'époque de grosses bagarres, il faut que je précise. À l'époque de la saison 1, on faisait ça avec des gens qui avaient pas forcément beaucoup de matériel. Chaque semaine, tu fais que présenter le show avec un viewer. Alors, personnellement, je fais quand même attention parce que je ne sais pas. Je vous aime bien, je vous adore. Vous êtes le viewers, tout ça, voilà. Mais le problème, c'est que on ne se connaît qu'à travers des mots, tout ça, voilà. Et je ne sais pas quelle pourrait être votre réaction, votre sens de la répartie, tout ça, voilà. Et déjà, j'ai déjà eu des invités où je me suis dit, ah, on est limite quand même, on est limite, ah, on est limite, on est limite, on est limite. Donc, je préfère connaître un peu la personne derrière. Mais vous, je vous connais. Je sais qu'il n'y aurait pas de souci en soi. Mais si je dis oui à l'un, bah, je dois dire oui à tout le monde, quoi. On a déjà vu un bizarre. On en a déjà vu plusieurs, en vrai. Et... avec l'accent. Mais en vrai, en termes de... Je vais revenir là. En termes de co-présentateur, bah, j'aimerais beaucoup refaire une émission avec Bangaloop. Voilà. Mais Banga, il est souvent occupé le vendredi soir. Il est souvent occupé le vendredi soir, tout ça, voilà. J'aimerais bien aussi réinviter un de ces quatre, Davy et Ariel. En vrai. Et un jour peut-être que j'arriverai à convaincre mon ami de toujours Xael, mais ça c'est voilà, je sais que c'est pas possible. ça serait sympa, mais il faut que je le rassure sur grosse bagarre. Non mais Thomas, il est occupé à faire son film. On n'a plus vraiment de... Bah, on prend pas vraiment de nouvelles l'un l'autre. Donc ça ferait... Ouais, ça serait peut-être une solution pour reprendre contact après, je ne sais pas. Mais bon, à mon avis, il est très occupé. Et Friki Oudi, pareil, il est très occupé. Il est prof, quoi. Donc à voir. J'avais déjà proposé, mais ça avait été compliqué pour Friki. Voilà. Et après, voilà, moi aussi j'aime bien réinviter les mêmes personnes
pour que on puisse parler des personnages de Grosse Bagarre, tout ça, voilà, qui connaissent un petit peu, parce que quand t'arrives et que tu connais aucun personnage de Grosse Bagarre, si t'es pas dans le délire, c'est très compliqué. Et je sais que Davy avait eu un petit peu peut-être cette impression-là. Et c'est pour ça que si je l'invite, on parlera peut-être pas des personnages, tout ça, voilà, et donc ça serait exceptionnel, quoi. Dans tous les cas, on est tous occupés, je pense. Oui, mais il y en a qui ont plus de mal à organiser leur truc que d'autres, hein. Je pense que Freaky Woody, quand il est pas en train d'enseigner, il se fait prendre en photo, il organise des trucs, il doit tourner des vidéos, des machins, des trucs, des bidules pour faire tourner son image. Donc, c'est compliqué. Voilà. Je sais que j'avais proposé à Rob aussi, mais il n'était pas hyper chaud pour co-présenter. Voilà. C'est aussi pour ça que j'avais arrêté aussi de faire des personnages qui appartenaient aux autres, parce que du coup, chacun, tous les potes voulaient son petit personnage à lui, et je sentais qu'il y en a qui étaient vexés quand je l'enlevais et tout, donc j'ai fait un mode « Allez, hop, oui, c'est que mes persos maintenant !» Et salut Captain Flames, comment ça va? je pense qu'on est prêt, que tout le monde est prêt pour la bagarre. Écoutez, je vais lancer la bagarre et puis on va lancer ça tranquillement et on va se regarder la bonne bagarre. Et on va discuter en même temps. Grosse bagarre. Alors, ça va commencer par qui? Renard génial. Johnny Tits. Ah non, Titan, pardon. Le gros chat. Boosty Flex. Le docteur frappé. Nostrad. Anus. Mumusque. Plastron. C'est le groupe Ruby. Alors, ouais. Pendant l'entrée de Renard Génial qu'on connaît par cœur, que j'ai même plus besoin de présenter, un petit mot sur les projets à venir, peut-être sur Twitch, tout ça, voilà. Je pense qu'il y aura certainement une soirée Scribble, pour ceux qui savent, qui ont été déjà là quand j'en faisais. C'est des soirées jeux de mots, où j'invite des gens et on fait un Scribble sur le thème des jeux de mots, voilà. Ah non, pas un Scrabble, un Scribble. C'est pas pareil. Pour ce qui est du Labomatique, je sais que vous l'attendez avec grande impatience, mais c'est vrai que j'avais eu des bonnes idées, tout ça, voilà. Et j'avais préparé des jeux, sauf qu'il y a un jeu. En gros, pour vous dire, faut que je trouve l'astuce, parce que ça marche pas pour ceux qui sont sur portable. Voilà, tout simplement. Ça serait. Et j'ai pas envie de punir ceux qui sont sur portable en disant connectez votre ordinateur. S'il a le Labomatique maintenant, il faut avoir un PC surpuissant pour pouvoir y jouer, c'est pas la peine. Hein. Et l'entrée de Renard Génial, donc. Voilà. Et j'ai déjà commencé à bosser donc sur la saison 8 de Grosse Bagarre. Et si vous voulez que je spoil, écrivez 3615 spoil. Voilà. Mais tout le monde a un PC, non? Ah non, il y en a qui regardent mes émissions sur portable. Et attention, Johnny Titan! No spoil! Ah, Kayman dit no spoil, il a la prérogative sur tout le monde. Ok. Et vous pouvez parier! Les paris sont lancés entre Johnny Titan et Renard Génial. Bon. Comme ça, ça paye pas de mine. Mais je vous assure que Renard Génial, il cache bien son jeu. Et il était arrivé deuxième de la saison précédente. Bon là, la saison est un peu plus compliquée. Si on regarde la saison pour l'instant, Renard Génial est... Eh bien, il est 15e. C'est pas ouf. Alors que Johnny Titan, lui, s'en sort mieux. Hein. Johnny Titan, là, il est... Eh bien, il est... Quatrième. Et attention, c'est parti! Le combat commence.
Docteur Frappé qui frappe d'entrée. Vous pouvez encore prédire pendant un petit moment. Tandis que le gros chat se fait frapper par Mumuscle direct. Alors est-ce que le gros chat va se faire sortir comme d'hab en premier? Ça c'est la question que tout le monde se pose et qui va être vite répondue, hein, comme dirait ce grand philosophe. Boostiflex qui frappe Johnny Titan. Plastron contre Renard Génial. De l'autre côté on a un Nostradamus Docteur Frappé. Oh, et un bon coup dans les couillasses. Tout ce que je peux vous dire, Plastron qui élimine Renard Génial, ouh, c'est que je ne peux rien vous dire. Puisque Caveman il veut pas qu'on spoil. Et Renard Génial qui se fait éliminer en premier. Il ne fallait pas parier sur lui. Salut Rucker, comment ça va? Ah bah non, j'ai de l'orgue dans la tête, c'est incroyable. Eh bien ça va. Eh bien ça va. Contrairement à certains combattants, Docteur Frappé, j'espère qu'il va s'en sortir, hein, en vrai. Hein. Il est chaud le gros chat là. Apparemment, ouais, il est bien chaud. Hein. Attention. Hein. Vous remportez. Ah ouais, là ça est douloureux. De perdre les Pampoissou, mais c'est bon d'en gagner. Plastron qui est déjà sur le corner en bas à droite. Qui s'est fait taper le cul. Et attention. Attention, Plotter. Francis Frappé qui est une grosse merde. Cette saison. Eh bien, non, hein, Ricard. Not anymore. Et Johnny Titan qui balance Boostiflex. Attention, mes muscles qui. Eh bien, qui roule. Ça roule, mes muscles, ça roule. Incroyable. Le gros chat. Scorpate, les grands mots. Exagérons rien. Oh, et le gros chat qui s'est fait sortir par Johnny Titan alors que le gros chat fut chaud. Le gros chat fut chaud. Et le gros chat fut chia. Non, pas du tout, il est gris. Mais voilà, attention Mumuscle qui est peut-être en difficulté face à un Johnny Titan qui lui... Ah bah non, Boostiflex vient de lui sauver la mise en essayant de le soulever. Bah il s'est mis à deux. Peut-être que Mumuscle du coup en difficulté face à Johnny Titan et Boostiflex, les deux forces combinées. Alors qu'il aurait juste fallu d'un bon coup de poing dans la gueule. Oh, c'est pas... Boostiflex éliminé. Je vais le dire gentiment, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de la cible? Attention, Johnny Titan qui va éliminer Mumuscle. C'est terminé pour Mumuscle. Et Nostradamus éliminé, c'est entre Plastron et Johnny Titan. Incroyable. Incroyable. Attention, Plastron qui se saisit du bras. Et Plastron... Oh! Plastron qui a essayé de... Qui essaie de prendre l'avantage. Ça serait bien que Plastron revienne un petit peu sur le devant de la scène. Ah, vous disputez pas, c'est pas grave. On oublie. On est tous ensemble. Rappelez-vous des paroles de Johnny Hallyday qui disait « On est champions! On est tous ensemble! C'est le grand jeu! La France est debout! » Voilà, one love, one... Oh, one coup de poing dans la gueule surtout de la part de Plastron et pas qu'un d'ailleurs. Hein.
Ah, 2002. Ah, je pense que c'est ce qui leur a porté préjudice. Hein. Ça et la blessure de Zizou, bien sûr. Attention, Plastron qui est retombé sur Johnny Titan. Attention, Plastron. Plastron qui va tordre le bras de Johnny Titan. Et alors, pour vous, France-Afrique du Sud, l'arbitrage, honteux ou pas honteux? Les sujets qui fâchent. Est-ce que vous avez pleuré longtemps? Il est chaud, Plastron. Mais ouais, mais là j'espère que ça va bien se passer. Attention. Ah non, attention, Plastron. Beaucoup de mains n'ont sifflé. Ah ouais. Virgili ! Ah ouais, là on espère pour Plastron. Plastron qui tient le choc, qui tient le coup. Et mais Johnny Titan, qui est un titan, qui... Oh, 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 attention. Attention, Plastron. La moindre petite erreur peut être fatale. Merci Salomé pour les beats qui tombent du ciel. It's raining, man. Hallelujah with some beats from the sky. Oh, bien sûr, le coup de coude qui permet de contrer. Mais Johnny Titan qui revient toujours plus en force, qui va balancer Plastron dans un coin. Est-ce que Plastron va pouvoir tenir? Est-ce que Plastron peut vaincre Johnny? Bien sûr qu'il le peut, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est terminé pour Plastron qui tombe du ring. Le groupe Ruby est pour monsieur Johnny Titan. Merci Captain Flames pour les beats. 10 bits plus 10 bits, et bah ça fait un sacré gangbang. Johnny fait une très bonne saison. C'est vrai qu'il fait une saison plutôt intéressante. Ce qui lui manque, c'est une victoire. Là, c'est sa troisième finale de la saison, mais toujours pas une seule victoire. Il faut qu'il se réveille. Parce que forcément, ça ne suffit pas face à un T-Démon qui, lui, en est à 2 victoires, 3 finales, 10 KO. Plume ! Xi ! Yamatoshi ! Baby Burn ! Docteur Gravure ! Sandwich ! Nilo Poupoule ! Aïkaramba ! Que je suis, mais... Eh oui, et Baby Burn qui avait fait sensation la semaine dernière en remportant la victoire. Ils sont ainsi à la troisième place du podium cette saison derrière Marinette et Aïkaramba. Ou plus exactement, Aïkaramba et Marinette qui ont toutes les deux 20 points. Mais Aïkaramba a une victoire, une finale en plus, ce qui fait qu'elle est devant Marinette. Et oui, c'est très précis, hein, grosse bagarre. Et Plume qui va entrer sur le ring. En tout cas, Salomé, pour le moment, c'est ta saison, hein, j'ai envie de dire. Entre Princesse Testostérone qui est deuxième et Baby Burn qui est troisième, j'ai envie de dire là, wouh, sacrée saison. Contrairement à Plume qui, elle, a plus de mal à se faire respecter, hein, cette saison. Avec ses 9 points et sa 12e position, c'est très compliqué. Mais Xi qui s'en sort peut-être comme Plume, hein, j'ai envie de dire. Sauf que elle, c'est encore pire puisqu'elle n'a que 3 KO à son actif. Ce qui fait qu'elle, même si elle a une finale dans les pattes, elle n'a que 6 points. Et donc elle est 15e pour le moment. 15e pour le moment, Xi. Donc elle fait partie de la partie basse du tableau, même avec une finale. Mais les filles sont plutôt généreuses, hein, et y en a beaucoup qui ont déjà fait une finale. Hein. Je crois qu'il y a plus de filles qui ont fait une finale que de filles qui n'ont pas fait de finale. Akira Nyanya n'en a pas fait, Valestrian non plus, Sandwich non plus, Docteur Pomboise non plus, Zenka, Marie Rouge, Stasia, Xena. N'oubliez pas, qu'est-ce qui se passe ? N'oubliez pas que vous pouvez consulter tout ça sur le Discord. Il y a les tableaux qui sont en place. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez des chiffres, des trucs, tout ça. C'est hyper complet, ça se met à jour à chaque émission, y compris le tableau global.
Ah! Tout le monde va me piquer mes pampoissous. C'est des choses qui arrivent, Scorpay, dans le monde de la bagarre. C'est impitoyable. Et Xy. J'adore la musique de Xy. Je suis très fier de cette musique. Et c'est dommage qu'on n'entende pas la deuxième partie avec la guitare qui rentre. En faisant... Je suis très content. Et ça commence bien. Avec Sandwich qui se prend déjà pas mal de petits pains. Et attention, déjà Yamatoshi dans la mouise. Et on a entendu... Oh, et Lilo Poupoul qui a éliminé hors champ Yamatoshi. Yamatoshi qui va pas pouvoir rapporter de points au pavillon bleu ce soir. C'est dommage. Je vais faire maintenant Donald Duck, mais très mal. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Parce que parler en Donald Duck, c'est un truc que je ne sais pas faire, que j'ai essayé toute ma vie. Voilà, on dirait plutôt un... effectivement, Donald Duck, mais qui est en train de mourir. C'est le décès de Donald Duck, hein, voilà. Voilà. Et si vous ne le saviez pas, parce que maintenant c'est assez connu, pourquoi Donald Duck n'a pas de pantalon? Parce que les canards ne se sentent pas chier. Donc ça lui permet de chier en toute tranquillité, sachant qu'il ne se sent pas chier. À quoi ça servirait d'avoir un pantalon si c'est pour le tacher? De toute façon, voilà. Et sachez aussi que les canards ont la bite en tire-bouchon pour avoir une meilleure pénétration qui s'accroche. Et aïe, Caramba, éliminé par Baby Burn. Il y en a un qui pleure, s'appelle Caveman. Il vient d'allumer un feu de camp, faire cuire quelques marshmallows et chanter Kumbaya, my lord, Kumbaya. Mais qui sait ça? Moi je sais. Ce qui est étonnant parce que les poules n'ont pas de bite en fait. De base, enfin les coqs. Voilà. C'est drôle que les coqs n'aient pas de bite. Enfin c'est. C'est ironique. Mais les canards si. Et ils ont des cloaques, tout à fait. Peur des oiseaux. Ce sera... Après, j'ai peut-être lu une connerie, hein, parce que c'est étonnant après que les canards ont des bites. Voilà, bon, sérieux. Voilà, je vais taper... Je vais... Forcément, je vais passer pour un con, mais... Le canard... a-t-il... une bite? Le canard a-t-il une bite? Les mâles ont eu un teint pénis. Ah, élimination de plume par Baby Burn. Mais dis donc, Salomé, tu commences à nous emmerder avec ton personnage. Non, je plaisante, bien sûr. Elle est très forte. Les mâles ont un pénis, mais avec quelques particularités. Ils ont un pénis assez long, entre 20 et 40 cm. Il ne se déploie qu'au moment de la copulation. Il s'agit d'une érection dite explosive qui se déroule en moins d'une demi-seconde. Là wow. Incroyable, bravo The Bitmap Kid. Bravo Rémi. L'élimination que je n'ai pas vu qui s'est situé en deux blancs, ça doit être Sandwich qui a dû se faire virer à tous les coups. Attention Lilo, hein, te fais pas avoir. De l'autre côté, on a Xy qui essaie de se débarrasser de Docteur Gravure et Baby Burn qui fait... Oh non, c'est retourné en même temps. C'est entre Xy et Baby Burn. Incroyable. C'est où qu'on va pour transformer les pampoissons en euros? tu peux toujours essayer d'aller à ton service de change le plus proche, mais je suis pas sûr que... Oh, ça a dû faire mal aux deux, mais Baby Burn a l'air de... Comme elle est tombée sur son dos, elle a l'air d'avoir plutôt bien supporté ce choc. Voilà, il est spiralé comme une vis, le sexe des canards. Voilà, ça je le savais. Mais bon, je savais pas qu'ils avaient une érection explosive, hein. Genre, le mec, il arrive dans la salle à manger. Attention, chérie! Pfff. Voilà. Voilà. Eux, faut pas qu'ils aillent au festival de Cannes. Hein. Oh, Baby Burn! Incroyable! Après sa victoire incroyable la semaine dernière, elle se offre une finale. L'émission d'après! Baby Burn, une nouvelle fois en finale, qui élimine Xy et qui permet ainsi... de se qualifier pour une nouvelle finale deux fois d'affilée. C'est terrible.
incroyable Baby Burn. Et ce groupe qui a été là, David PLS, Robofox, pardon, des démons, Monsieur Bleu, Hard Rose, Princesse Testostérone, Memphis of the Pute, Good High. Oh là, j'ai un peu parti dans les aigus. Et c'est le groupe Emeraude. C'est le groupe Emeraude, bien sûr, le troisième de cette soirée, un groupe masculin incroyable. Voilà. Après cette étude sur la bite des canards, on va pouvoir retourner quand même à nos moutons. Est-ce que les moutons ont une... Ah non, mais là, c'est incroyable, Salomé. Hein. T'es en train de tout péter cette saison. Hein. Là, Baby Burn, elle joue la saison. Hein. Elle joue la saison. Hein. Elle joue le titre. Hein. Baby Burn joue le titre. Je te le dis, Salomé. Elle joue le titre. Parce que là... Si... Ah ouais, mais en plus, c'est sa troisième finale. Ah ouais, elle joue le titre. C'est la seule à avoir une finale... Non, trois finales, une victoire, pour le moment. Alors, en plus, si elle gagne, alors là, elle prendra un avance considérable. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Les bœufs ont-ils une... Oui, ça, c'est certain. Et Robofox, en tout cas, qui arrive. Robofox qui avait fait une excellente saison 5. Rappelez-vous, on a tous cru qu'il allait gagner, mais il s'était fait doubler au dernier moment par je ne sais plus qui. Et il avait eu bien les boules, alors qu'il avait fait une saison incroyable. Incroyable, la saison de Robofox, la saison 5. Bah, je crois que c'était Babylone. Babylone l'avait battu. Et il va se retrouver contre David PLS, qui devient de plus en plus dark. Quand on met les gens en PLS, on peut être pris d'un mystérieux pouvoir. Bon, lui, il arrive pas, mais il est quand même pris d'un mystérieux pouvoir. Ça me rappelle Astérix le Gaulois, le film d'animation. De quoi parles-tu? J'ai dit quelque chose encore dont je me rappelle déjà plus. Je suis un marchand de bœufs. Ah! Ah oui, la petite chanson. Mais c'est vrai que j'ai vu Astérix chez Cléopâtre, mais en version dessin animé. Et c'est vrai que devant le dessin animé, je m'emmerde un peu. Je trouve que ça a pas hyper bien vieilli. Alors que les 12 travaux d'Astérix. Mais et ça a beau être vieux, ça ne vieillit pas. Tout est bien dans les 12 travaux d'Astérix. La fin, on sent que c'est un peu rushé, mais parce que bon, voilà. Mais incroyable. Et c'est parti! C'est parti pour ce groupe Emeraude. Ah ouais, mais la bête, elle était comment? Oh, elle était bonne. Ah, les 12 travaux sont incroyables. Mais moi, voilà, à chaque fois que je le regarde... Astérix. Voilà. C'était mon imitation d'Obélix. Oh! Oh! Astérix! Pierre Tornade, eh oui, le doubleur. Mais c'était incroyable. Et oui! Avec Olympe! Ah oui, la lessive des dieux. Oh, mais c'est incroyable. Mais tout est culte. Et le petit toast qui va avec. Par Osiris et par Apis. Regarde-moi. Tu es maintenant un oiseau. Incroyable. Ah ouais, mais... Tous les personnages sont bien. Même Caius Pupus, il est trop bien. Oh là là. Ah ouais. Ça me donne envie de le re-regarder. Mais comprenez-nous, nous sommes des fantômes. Oh là là. Quand j'étais petit, je restais bloqué sur une image qui me fascinait de ce film. C'était l'image de Abra Raccourci qui se transforme en clown d'un seul coup après avoir reçu sa tarte à la crème. Et qui dit « Où c'est qu'ils sont les enfants ?» Un truc dans le genre. Et j'étais... Mais je sais pas pourquoi c'est une image qui me reste beaucoup de ce film. Alors qu'elle est presque anodine. Et voilà. Et en plus, c'est la fin... Ça peut être une fin canon de... Oh non, Princesse et Suzanne qui se fait sortir en première par Monsieur Bleu. En plus, ce con...
Oh là là, faut-il qu'il soit con. Regardez, il danse comme un con là sur le sol. Mais oh, terrible. Ah, le grand monsieur d'abord. Ah ouais, mais incroyable. Et attention. Et puis même, Ah oh, putain, j'ai... Le doubleur de Roger Carrel, pardon. Et puis même Roger Carrel, il va nous manquer, hein. Depuis qu'il est parti, ça. Je sais, putain, c'est triste quand même. C'était Astérix. Le chien du con, c'est quoi? On avait dit quoi? Je me rappelle plus, on l'avait dit, mais j'ai oublié son nom. C'était le chien très moche là. Et Arthros qui s'est fait éliminer ainsi que deux démons. Des démons qui ne marquent pas de points. Attention, danger pour des démons. Ça fait deux émissions qu'il est un peu en dessous. Il ne faudrait pas qu'il laisse Princesse Testostérone le rattraper, parce que pour une fois que c'est sa saison, et Goûter qui se fait éliminer à son tour, c'est incroyable. Tous les poids lourds se font sortir. Oh, et Monsieur Bleu éliminé par même fils de pute. J'ai regardé le dernier Mission Impossible hier, je me suis rendu... Oh, j'ai jamais... Le lévrier afghan. Oui, c'est ça, c'est le lévrier afghan. Monsieur Bleu a un lévrier afghan. Qui a l'air bien con. Avec ses cheveux. On peut compter sur la mémoire de Salomé. Pas de mauvais film, Mission Impossible, mais très oubliable. Bah, je sais pas, je me suis jamais vraiment intéressé. Et Memphis éliminé par RoboFox. Oh là là, mais RoboFox qui est en feu, c'est entre RoboFox et David. Incroyable. Et il me semble que c'est les deux qui sont rentrés en plus. C'est les deux premiers qui sont rentrés. Oh là là, le suspense est à son comble, messieurs, dames. Le suspense est à son comble. Le pari le plus long. Mais ouais, mais ça pouvait pas être plus long. Mais oh! Du coup, David qui vient d'exploser RoboFox sur le sol. Mais RoboFox qui se relève, qui prend son dernier rêve, qui va essayer de contrer David de la meilleure façon qui soit. Mais David a l'air de prendre l'ascendant. Il prend l'ascendant, il prend l'ascension même. Il va lui renifler les couilles. C'est incroyable. Ah, il le met à terre. Oh là 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 là. C'est comme James Bond, Émission Impossible. Moi, c'est des films qui... Les trucs d'infiltration, d'espions, ça m'intéresse pas. Je préfère les films de mafia. Les Affranchis. Oh, David! Incroyable! J'ai tellement cru que ce serait RoboFox que la surprise est totale pour moi, David. PLS qui se qualifie pour la finale. Si Big Balsen était là, il serait heureux. Heureux car son personnage est en finale face à un Johnny Titan sous stéroïdes. Enfin, j'espère pas. J'ai entendu un bruit inquiétant. C'est ça. J'ai pas vu Docteur Terroir, Brigitte, j'ai pas vu qui était la première. Bon, on le verra tout à l'heure. Stasia, Marinette, ok. Alex Titan, l'As de Pute, Valestrian, Marie Rouge, et c'est le groupe Diamant. J'ai une mémoire affective, comme j'ai une grosse bagarre, je me souviens seulement de ce qui se passe ici. Directly in the heart. Thank you. La dame de Pin. Oh, incroyable. C'est drôle. Un peu trivial, mais drôle. Putain, j'ai les fils emmêlés, c'est pas pratique. Marinette qui rentre en première. Marinette qui fait une saison extraordinaire puisqu'elle est actuellement deuxième avec ses 20 points. 9 KO, 2 finales, 1 victoire. N'importe quoi, je suis en train de dire les résultats de Aïkaramba, moi. 12 KO, 1 finale, 1 victoire. Marinette, si elle avait eu 2 finales, elle serait première actuellement. Alors, en tout cas, Marinette qui se prépare. C'est parti. L'entrée de Docteur Terroir.
La rumeur. C'est une question qu'on peut se poser. Non, je peux... Je peux pas faire cette blague, non. Je l'annule. J'annule cette blague. Mais il faut que je la garde en tête absolument. Il faut que je garde la... Je vous la sortirai au moment propice. Mais il faut que je garde cette blague. Elle est trop bien. Et vous pouvez prédire. Mais en fait, c'est doctoresse, terroir. Tout à fait, je sais, on dit doctoresse, ça se dit. Parce que moi, quand je vais voir mes médecins et que ce sont des femmes, on dit docteur. On dit bonjour docteur, on dit pas bonjour doctoresse. Mais effectivement, c'est une doctoresse, mais le titre, c'est docteur. Je sais pas. Peut-être que cette docteur avec un Z. Mon grand-père disait doctoresse. Quand il croisait quelqu'un, il disait bonjour doctoresse, par exemple, je sais pas moi, doctoresse Durand, ou un truc dans le genre, doctoresse Lavoine, je sais pas. Attention. Moi je sais que j'ai... Alors, mais les Striales qui jettent Brigitte par-dessus bord. Je sais que j'ai une connaissance, c'est une connaissance du lycée qui a fait médecine et qui est éventuellement peut-être docteur aujourd'hui. Mais personnellement, en vrai, comment tu peux prendre rendez-vous chez elle quand tu connais la personne? Tu tombes dessus. Ah, bonjour. Alors, je viens parce que j'ai mal aux couilles, en fait. Non, pas possible. Tu peux pas. Oh, et Valestrian déjà éliminé par Alex Titan. Valestrian qui pareil fait une qui aurait pu utiliser qui aurait pu faire de cette saison sa saison sacrée et passer devant tout le monde et être la première dans Grosse Bagarre tellement elle a tout gagné dans sa carrière. Mais non, elle en profite pas, c'est dommage. Et attention, Docteur Terroir qui élimine Marie Rouge. Marie Rouge aussi, la saison est très compliquée. Là, ça se joue entre Alex Titan, Stasia, Marinette, l'as de pute, Docteur Terroir qui est sur le côté, qui attend, Marinette qui revient très facilement à l'assaut. Alex qui essaie de soulever Marinette. Attention, Stasia qui vient de faire mal à l'as. Ça peut faire mal. Scarpate! Oh, merci pour les 100 bits! Et attention! Alex qui balance Docteur Terroir! Attention. Et l'as de pute qui se fait éliminer par Marinette. Ça continue. Ça va très vite. Et Stasia qui va peut-être en profiter. Non, c'est Marinette. Oh, Marinette qui se fait tellement de points. Les couilles en or. Ça va se jouer entre Marinette et Stasia. Est-ce que Stasia peut peut-être faire opportuniste et gagner quelques points peut-être en battant Marinette? Ça serait peut-être l'occasion de se faire des points, mademoiselle Stasia. Mais ça serait aussi l'occasion pour Marinette de reprendre le large par rapport à AI Caramba et peut-être essayer... d'empêcher Baby Burn de passer devant tout ce beau monde. Et coucou les moches chauffins. Merci Momotus, on sait de qui tu parles. Normal. Comment tu vas Momotus? Et attention. Et Marinette qui est pour difficulté. Est-ce que Stasia... Oh, c'est Stasia qui se qualifie pour la finale. Incroyable victoire de Stasia qui se permet de gagner quelques points et qui se qualifie pour la finale. La productrice. Et Babylon, Juluk Q, Stefano,
Dominique Lejeune. Gérard Niam, c'est le moment. Patrick de la Tico. Henri Gustave of the Barlock. Et Captain Mara pour le groupe Améthyste. Carton jaune pour Dominique Lejeune. Est-ce que Dominique Lejeune va être à la hauteur ce soir? Tandis que Babylone fait son entrée. Elle a joué Gigit, je crois. Si je ne m'abuse, me semble qu'elle a joué. Mais elle n'a pas été très très glorieuse. Me semble que oui. Me semble que oui. Mais elle n'a pas été très glorieuse. Et Babylone qui arrive. Babylone. Je pense avec une certaine émotion à mes 4 albums qui doivent sortir l'année prochaine. À la difficulté que c'est de de mixer parfois. Il faut que je me sorte les doigts du cul, que je trouve voilà, des solutions. Et attention à l'entrée de Juluk. Cul. Le cul. Et ses frères qui l'ont accueilli avec le plus grand déshonneur. En deux mots, déshonneur, hein, bien sûr. Parce que bon, et la plus grande des odeurs, surtout. Et Juluk qui va monter sur le ring pour ce groupe améthyste, Magic Ear. Eh oui, c'est de là d'où vient la magie. Ne jamais s'approcher à plus de 10 mètres du cul de Juluk Q. Ce sont les règles, hein, Bon, les artificiers du cul. Et Juluk, vous allez pouvoir parier. J'espère que vous allez parier entre Babylone et Juluk. Kické par Valestrian. Ah ouais, en plus Captain Flame, tu l'as vraiment retenu. Ah oui, la pyrotechnie, merci. La pyrotechnique. Tout à fait. Tout à fait, merci beaucoup de m'avoir fartificié. Ça marche aussi. Très bien même. Un feu de fartifice. Et attention, ça commence bien avec Dominique Lejeune qui se fait taper la tête avec le cul de Juluk. Chacun sa spécialité. Mais il devrait s'inquiéter, Juluk. S'il avait eu une poche, il n'aurait plus de portefeuille à l'heure qu'il est. Ah ouais, vraiment caveman là. C'est vraiment très joli. Ah ouais, mais il attaque. Bah, il attaque avec ce qu'il a de plus fort. Hein. Attention, mais Juluk, attention. Est-ce que Dominique Lejeune l'a mal pris à ce point? Oh non! Juluk qui parvient à se défendre. Artificier, c'est bon ça aussi. Ouais, artificier, c'était bien aussi. Ah ouais, c'était bien. Je sais plus qui c'est qui l'avait sorti en premier, c'est pas la première fois que je le vois, mais il était bien aussi. Fartificier, artificier, c'est bien. C'est bien tout ça. J'essaie d'en trouver un, mais non, il y a rien qui me vient pour le moment, je vais pas faire mon intéressant alors que là je me sens nul. Ah, Gérard Arnium qui va peut-être être en difficulté face à Captain Marav. Captain Marav qui essaie de virer Gérard, mais ça ne se passe pas comme prévu. Juluk, dont le régime est composé de cassoulet et d'oignons. Ah oui, bah il faut bien tout prendre pour. Ne faisait quoi, Patoche? Je sais pas ce qu'il faisait, Patoche, mais Patoche, là, sa saison, elle est catastrophique aussi. Hein. Il faut vraiment qu'il se rattrape. Hein. Oh, et Babylone qui attrape Patrick of the Deco. Patrick, d'où il nous sort ça? Incroyable. Et Gérard qui sort Juluk. Incroyable. Bien joué Patrick. Patrick qui va peut-être se réveiller, qui va essayer peut-être de virer Gérard. Mais Gérard qui se dé... Ah non, non, c'était bien Patrick qui a fait ce coup. Je pensais que c'était Gérard qui était agrippé à lui. Bien joué Patrick. Il ne faut pas se laisser aller. Bien sûr, il va affronter Captain Marvel maintenant. Ou Captain Marav qui va pas de main morte avec Patrick. Hein. Oh là là. Incroyable.
Eh bien, je crois que Babylone était entre... qui c'est qui a gagné? Je sais plus qui c'est qui a gagné. Les points, ils ont été redistribués déjà? Il me semblait que c'était... Je sais plus qui s'est fait virer en premier comme ça, à savoir. Je pense qu'Avanescente est en train de regarder si les points n'ont pas été redistribués. Ah si, ça a été redistribué, pardon, peut-être, oui, effectivement. J'étais inquiet pour rien. Attention, Stefano qui affronte Henri Gustave. Et Dominique Lejeune qui se saisit de Captain Marave. Attention, Dominique qui va peut-être éliminer. Captain Marave, c'est fait. Dominique, le point, c'est ça de prix. C'est ça de prix, Dominique. Attention, Dominique qui va peut-être enchaîner avec Stefano. Ah mais Stefano, mais oui, mais sa spécialité, hein. Attention, Dominique face à Patrick. Gérardium qui se débrouille aussi plutôt bien. Bah là, s'ils sont tous les 5, c'est qu'ils se débrouillent bien. Sauf Henri Gustave que j'ai un peu moins vu. Attention, Dominique en difficulté face à Stefano. Stefano qui va essayer de l'éliminer. Dominique éliminé. Henri Gustave éliminé par Patrick. Aïe, 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 aïe. Dominique Lejeune, ce n'est pas non plus pour aujourd'hui, mon cher The Bitmap Kid. C'est pas pour aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Mais il faut continuer à garder la foi. Il faut continuer à garder la foi. Parce que Dominique Lejeune, même s'il se fait éliminer, il grappille des points et ça c'est important. Il grappille des points, c'est important. Ils sont tous les trois et ça va être intéressant pour eux trois de gagner. Hein. Particulièrement Stefano, si Stefano remporte la victoire, il pourrait peut-être se rapprocher du top 5 peut-être. En tout cas, il y va. Hein. En tout cas, c'est parti. Oh, Gérardium, la bonne patate. Avec le genou. Oui, une patate de genou, ça existe, hein, voilà. Vous êtes expert en raclette? Non, alors. Oh, et les beach slaps sur Patrick de la déco. Stefano qui est à fond. Patrick qui a déjà fait deux éliminés à lui tout seul. Va-t-il s'arrêter là? Va-t-il se faire éliminer par Stefano? Oh, attention, Gérard qui arrive derrière Stefano. Qui va l'éclater comme on éclate un ballon de Baudruche un petit peu trop gonflé dans une fête familiale de type anniversaire. Incroyable. Il va essayer de le soulever dans le coin du ring, dans le coin en haut à gauche. J'ai envie de dire le coin nord-ouest, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave parce que c'est peut-être pas le nord-ouest. On s'en fout, on sait pas comment est dirigé le stade. Et il va peut-être espérer... Non ! Stefano revient. Il n'aura pas réussi à le retourner, Gérardium. Gérardium qui se saisit maintenant. Non, c'est Patrick de la déco qui saisit Gérardium et qui le balance. Et Stefano qui devient complètement fou. Mais c'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Et Patrick de la déco qui va repousser Stefano. Dis donc, j'ai un peu mal aux dents. J'irai peut-être voir un dentiste. Ça y est, c'est le grand moment où je vais arriver chez le dentiste. Il va nous dire, ah, il va falloir vous remplacer 50 dents. Vous avez des caries grosses comme ça. Vous lavez mal les dents, monsieur. Mais non, je les lave directement. Ah, rien. De toute façon, à chaque fois qu'on va voir un dentiste, c'est pour qu'il nous dise qu'on se lave mal les dents. Même si tu les brosses 3 fois par jour, hein, tu les laves toujours mal. Ils aiment bien nous engueuler comme des gosses, ces enculés, là. Pardon. Attention, Stefano. Stefano qui va peut-être éliminer Patrick. Patrick dans la misère. Patrick dans la galère. Patrick, retournez, Patrick. Libéré. Pour ce soir, en tout cas. Patrick libéré. Éliminé surtout par un Stefano extrêmement fort. Attention, qui va essayer d'aller choper sa place en finale face à un Gérardium qui a été tenace jusque-là. Je me suis jamais fait engueuler par le dentiste. Eh ben dis donc, t'es de la chance, hein. Oh, Gérardium qui vient d'éliminer Stefano avec une vitesse incroyable. Gérardium qui se qualifie pour la finale. Alors ça, c'est une surprise. Gérardium. Est-ce qu'il a déjà eu une finale? Oui, il a déjà eu une finale cette saison. Je me disais aussi, j'ai une impression de déjà vu. Mais c'est normal. Il a déjà été en finale. C'est sa deuxième finale de la saison. Et c'est bien fait. Bravo. Xena. Akira Nyanya. Zenka. Docteur Frambouze.
Cassandre. Soliane. Ginny. Et langue de pute. Et wow putain! Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Xena! Xena! Wow putain! Qu'est-ce que j'adorais faire ça! Je me rappelle, à un moment donné, j'enregistrais parfois mes dialogues chez Davy, à l'époque. Et j'avais qu'une seule hâte, c'est de faire les dialogues de Xena. Parce que j'enregistrais personnage par personnage les dialogues. Et quand j'arrivais à Xena, mais j'adorais, je me disais putain, c'est mon personnage préféré au niveau de la voix, c'est trop bien. Xena qui est là, et qui est toujours là hein, depuis son arrivée. C'est un personnage qui n'est pas original en soi, mais le fait qu'elle soit vieille comme ça, qu'elle ait été retravaillée, tout ça, voilà, qu'elle ait un autre caractère, c'est un personnage original. Vous pouvez pas dire le contraire. C'est notre Xena, c'est pas la Xena, c'est notre Xena. Ah bah ouais, bah. Ah bah ouais. Moi je continue à bien aimer Microland. Il y a des passages qui même qui me faisaient très très rire. Et d'ailleurs, preuve que c'était drôle, il y a un sketch qui a été repris par les Cassos. Hein. Je sais plus avec quel personnage ils l'ont fait, mais nous quand Bob l'éponge il est rempli de sperme et qu'il se vide de sperme, ils l'ont repris avec un autre personnage. Hein. Je crois que c'était les Barba Papa ou un truc dans le genre. Mais ça c'était notre idée à la base. Hein. Et Akira Nyanya qui arrive. Akira Nyanya qui fait pas non plus une saison extraordinaire. Akira Nyanya qui peut agacer, je peux comprendre, voilà. Ah ouais, elle a pas fait de finale. Par contre, elle a fait 6 KO. Et ça, c'est pas rien. C'est pas Pingu ? Ah si, c'est Pingu. C'est Pingu qu'ils ont fait, tout à fait. Je m'en rappelais plus, mais effectivement, c'est Pingu qu'ils ont fait. Avec la même idée que j'avais à la base, hein, c'est-à-dire que en fait, quand j'avais demandé à Rob le truc, on voulait que Bob l'éponge soit gigantesque au départ et qu'il fasse voilà. Et Akira Nyanya. Akira, moi j'aime bien aussi Akira. Ah là là, Soliane. En ce moment, je suis avec Soliane tous les jours. Parce que c'est son roman que j'écris. Je suis avec elle tous les jours, dans ses aventures. Et attention, Soliane qui va se saisir de Cassandre. Attention Cassandre. Cassandre qui va peut-être pas marquer de points du coup si elle se fait éliminer tout de suite. Akira Nyanya en difficulté face à Docteur Framboise. Et non, Cassandre a l'air de tenir. Elle peut encore se faire jarter. Mais j'ai l'impression qu'elle tient. Oui, Cassandre tient. Et Akira va tenir aussi. Contrairement à Xena qui se fait sortir par langue de pute. Oh là 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 là. Xena. Xena, 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 Xena. Xena aussi a fait une saison catastrophique pour le moment. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est dernière, tout simplement. Xena est dernière. Un seul KO depuis le début de la saison. Et ça fait mal. Et je vois que l'autre qui avait fait qu'un seul KO, c'était Stasia et Cassandre qui élimine Akira Nyanya. Moi, j'ai créé un jeu de rôle et un roman jeunesse sur une fille obèse. C'est cool. C'est cool. C'est cool. En plus, un roman jeunesse, c'est au cours tout ça. Non, si un jour tu veux faire lire. Moi je sais que je pêche au niveau parfois un peu du style. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me sens très inspiré, où j'arrive à écrire des belles phrases, mais d'autres, voilà. Le scénario, je l'aime beaucoup, je suis très content, tout ça, voilà. Mais c'est un roman de fantasy, donc c'est pas facile à. Parfois, les descriptions, tout ça, qu'est-ce que ça me saoule à faire. Le jeu de rôle, c'est dur, ouais. Bah pareil, j'essaie de faire un univers jeu de rôle sur l'univers de Pampoitou. J'ai l'aide de Xael pour faire ça. Mais je vois à quel point c'est dur. Voilà, il faut faire le bestiaire quoi, c'est le bestiaire putain. Zenka éliminé par Docteur Framboise. Ah, Zenka et Stasia, toujours difficile, mais Stasia s'est qualifiée pour la finale, on verra comment elle s'en sort. Donc Docteur Framboise qui a l'air plutôt bien lancé, qui va essayer de faire un deuxième KO d'affilée en retournant Cassandre si elle y parvient. Elle y parvient! Docteur Framboise, deuxième KO d'affilée en éliminant Cassandre!
Et ce n'est pas une anonyme, hein, vraiment, qui vient d'éliminer là. Et attention, Docteur Framboise qui balance langue de pute. Soliane qui va s'attaquer dans la langue de pute. Docteur Framboise qui affronte Ginny maintenant. C'est drôle, c'est dur, ouais. Très dur. Ah ouais. C'est un jeu de rôle sur quoi? T'as un univers prédéfini déjà? Et Docteur Framboise vient d'éliminer Ginny! Il ne reste plus que langue de pute, Soliane. Et Docteur Framboise, attention, Soliane en difficulté face à Lang. Lang qui la retourne. Soliane éliminée. Ah, Soliane, t'es plus forte dans le roman. Hein. On va pas se mentir. T'aurais lancé un petit sort de magie noire là. Oh, et Docteur Framboise qui utilise les grands moyens. Ah, moi je connais cette technique. Hein. D'habitude elle est utilisée par Julu Q. Hein. Il le bloque entre les jambes et il lui pète dessus. Docteur Framboise, ça m'étonnerait qu'elle soit comme ça. En tout cas, se fait attaquer par Lang. Oh, Lang, quelques très jolis moves. Lang peut se qualifier pour sa deuxième finale, peut-être espérer sa deuxième victoire de la saison. Oui, un style médiéval steampunk. Parce que parfois, les gens, ils font des jeux de rôle sur des univers déjà définis. Oh là 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 là, Lang de pute a failli se qualifier. Comme par exemple Donjons et Dragons ou Starcraft ou ce genre de truc, voilà. Mais toi, du coup, c'est un univers original. Si c'est le cas, c'est très cool. Si c'est pas le cas, c'est très cool aussi. Et pourquoi en lien à la lithothérapie? Les pierres! Ça, c'est le titre d'une saga ou c'est la lithothérapie, c'est la thérapie par les pierres? Je fais tout mon monde. Ah, tu fais tout ton monde. Ok. Bah, c'est parfait. C'est génial. J'encourage la création, vous me connaissez. Ouh, Docteur Framboise qui reprend peut-être l'avantage sur langue de pute. Les cailloux. Les pierres d'infinité. C'est très rigolo. Les pierres d'infinité, en fait, c'est des pierres pour... Mais pour aller mieux, tu sais. Alors ça, c'est la pierre de la force, ça te donne plus de force, franchement, si tu la tiens fort dans tes bras comme ça, ça te donne plus de force, tu vois. Mais il faut que t'y crois, sinon ça marche pas. Les pierres d'affinité. Ouais. Contre les gens mauvais, un parpaing, ça marche bien. C'est tout ce que je sais. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai que les pierres, tu les balances contre les gens, c'est douloureux. Hein. Attention, Docteur Framboise, qui va peut-être éliminer langue de pute. Oh non, qui préfère lui péter la gueule. Là, on a vu, j'ai cru qu'elle s'était vraiment pété une vertèbre, hein, vraiment. Oh, attention, attention, Docteur Framboise qui soulève Lang. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? Oui, Docteur Framboise est la dernière qualifiée pour ce soir. Incroyable, elle se qualifie pour la finale, c'est incroyable. Bravo, Docteur Framboise, vraiment. Belle performance, Docteur Framboise. On la retrouve, notre Docteur Framboise, qui avait eu du mal jusqu'à présent, qui n'avait pas eu de sa finale jusqu'à présent. Ça y est, elle l'a dans cette saison, sa finale. Il en faut des forts, il en faut des moins forts. Elle a sa finale. Elle lève les bras et tout le monde est heureux. Et c'est ça, grosse bagarre. C'est que tout le monde soit heureux. Et je disparais, parce que vous savez, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure du...
Et non, Lilo ne supporte pas le rouge. C'est réel. C'est réel. On ne porte jamais de rouge à la maison parce que sinon elle pète un câble. Et c'est l'heure de la finale féminine. La finale féminine, avec attention. Baby Burn. Comment elle fait quand elle saigne alors? Elle ne voit pas son propre sang, Scorpion. Et puis il y a des trucs rouges qu'elle accepte, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Il y a des rouges qu'elle n'aime pas, des rouges qu'elle aime, qu'elle elle est habituée. Voilà. Parfois elle s'est retrouvée avec une bouteille de coca à côté, donc l'étiquette est rouge, elle avait pas peur. Mais parfois t'arrives avec un t-shirt rouge, elle supporte pas. Et attention Baby Burn! Baby Burn pour sa deuxième victoire d'affilée peut-être. Sa deuxième finale, ça c'est sûr. Mais sa deuxième victoire, ça on va bientôt le savoir. Peut-être, peut-être pas. Parce que en face d'elle, il va y avoir Stasia qui elle, c'est sa première finale tout court de tout l'univers. Puisque bon, comme c'est une nouvelle, voilà, elle profite de sa première finale. Et peut-être que ça s'en suivra de sa première victoire dans Grosse Bagarre. Ça serait important pour elle, ça lui permettrait peut-être de revenir à la hauteur des autres dans cette compétition. Parce que qui est parti, voilà, je mélange mes mots, qui est parti un peu trop mal pour elle. Stasia qui a l'air d'être plutôt appréciée, hein, j'ai l'impression que les gens aiment bien son style. Mais attention, j'aime bien la musique. C'est pour ça que je me suis arrêté. Moi je m'arrête et je fais, ah, j'aime bien, j'aime bien. Donc si Lilo lit Rémi, elle va être énervée. Ah oui, parce qu'il est en rouge effectivement. Et Momotus aussi. Et attention, l'entrée maintenant de Docteur Frambouze. Suffit ça, c'est fin. Framboise. Docteur Framboise. Qui va essayer de renouer avec le succès. Pareil, c'est sa première finale de la saison. Mais pas tout court. Hein. Je vous rappelle que Dr Framboise a un palmarès plutôt, plutôt bon. D'ailleurs, si on fait les calculs quand même, regardons, hein, ça serait quoi? Ah, je suis complètement perdu. Palmarès global, c'est ça qu'on cherche. Si on va dans le palmarès féminin, Dr Framboise, ça pourrait être sa troisième victoire. Mais Baby Beyond, ça pourrait être aussi sa troisième victoire. Ouh. Alors... Rémi, l'instant regret. Et donc, c'est assez pour sa première. Ce qui est intéressant, c'est que Dr Framboise et Baby Beyond sont vraiment au coude à coude. Au coude à coude, je veux dire, au coude à coude. Dans le classement général. Donc, peut-être que si l'une venait à gagner, c'est-à-dire Baby Beyond, si Baby Beyond venait à gagner, elle passerait peut-être devant Dr Framboise. Peut-être plus de monde d'ailleurs. Je ne sais pas. Ah non, peut-être pas. Si, si, c'est possible. Si c'est possible. Ah, quoique. Hein. Quoique, elle a quand même. Ah, il y a quand même une grosse différence entre. Mais bon. Parce que Docteur Framboise a quand même réussi à obtenir un prix d'équipe et un prix de la meilleure exécutrice que n'a pas Baby Burn. Et ça, ça compte hein, dans le classement général. J'espère que vous avez prédit en tout cas. Et j'espère que vous avez choisi votre favori de Salomé. Ça ne m'étonne pas hein, que tu aies choisi. Ouh, c'est très bien réparti, dis donc. Et Stasia qui a l'air d'être décédée, en tout cas, au milieu de tout. Et attention, oh, Dr Framboise qui se débarrasse de Baby Burn. Et qui va maintenant s'attaquer à Stasia. Et Dr Framboise qui a l'air de commencer à prendre l'avantage dans ce combat. Elle a l'air d'être plutôt forte. Ah, attention Stasia, Stasia, est-ce que c'est terminé pour Stasia déjà? Ça serait terrible pour Stasia. Sa première finale, c'est un fiasco. Stasia se fait éliminer. Et il ne reste que Dr Framboise et Baby Burn. Duel au sommet pour les deux. Attention, leur place en classement général est menacée. Et peut-être pour la saison, Baby Burn qui va peut-être essayer de gagner pour se donner une bonne place dans la saison.
Ah, Caveman, c'est pas ta soirée, hein. Oh, elle lui tire l'oreille. Oh, oh, ça fait mal. Baby Burn qui a quand même quelques coups incroyables. Attention, docteur Framboise. Ah oui. Faire attention avec cette expression. Je me rappelle une saison de Koh-Lanta. Elle dit, ah, c'est un peu le chat noir de l'équipe. Et c'était le seul noir de l'équipe. Bon, c'est ça. Attention quand même. Ou bien juste après la victoire de la Coupe du Monde en 98, t'as un reportage qui fait « Les Champs-Elysées sont noirs de monde !» Et à ce moment-là, t'as un noir qui fait « Ouais !» C'était drôle, cette époque. J'avais 5 ans. Attention, Baby Burn. Baby Burn qui attaque, attention, qui va peut-être éliminer Docteur Framboise. Si elle le fait, si elle y arrive, ça serait deux victoires d'affilée pour Baby Burn. C'est tellement rare, c'est tellement beau, incroyable, une victoire de Baby Burn, la deuxième d'affilée. Deux finales d'affilée, deux victoires d'affilée, et peut-être une belle place au classement. Baby Burn. Si Salomé avait décidé d'en faire son esprit lié, elle serait peut-être devant Caveman et Caveman serait en train de chialer parce que le Goody s'éloignerait de lui. Dans son malheur, il a de la chance. Oh là là, incroyable, incroyable, la victoire de Baby Burn, deux victoires d'affilée. Et elle joue la saison. Pour le coup, elle joue vraiment la saison. De l'autre côté, nous avons Johnny Titan, qui fait sa troisième finale de la saison. Lui, il se bat pour attention. Merde. Il se bat pas pour de la merde, attention. Il se bat pour sa septième victoire dans toute l'histoire de grosse bagarre. Bravo, mais je suis deck parce que je la hais quand même. De qui tu parles? Des Baby Burn. Mais à Icaramba joue encore la saison. Attention, elle n'est pas terminée. On est qu'à la mi-saison. Il reste encore 7 émissions après celle-là. On est qu'à la 7ème. Il y en a encore 7 après. Et Johnny Titan. Des Baby Burn, mais oui. Oh là là. En plus du goodie, tu voudrais qu'à Icaramba remporte la saison? Ah bah ça va être le combat, hein. Le combat pour l'instant, hein, le combat au sommet, ça va être entre Baby Burn, Marinette et Icaramba. Hein. À part si en deuxième partie de saison, une autre fille se dévoile. Ce qui était arrivé à la saison précédente avec Plume. Hein. Plume, elle n'était pas partie pour gagner. Et puis elle a gagné. Elle avait une victoire, c'est tout, mais elle était dans le jeu. Et puis d'un seul coup, elle a gagné deux fois d'affilée. Hop, elle s'est retrouvée en haut. Paf! Et avec les points de soutien, c'était terminé, elle avait gagné. Et David PLS qui entre en deuxième. David PLS qui va essayer de choper pour sa part une... Il est où, David? David, où es-tu? David PLS qui est là. Qui va essayer de choper une deuxième victoire dans son histoire de grosse bagarre. Deuxième victoire dans l'histoire de grosse bagarre. Et est-ce qu'il a gagné cette saison? J'avais souvenir que... Non, c'était peut-être la saison précédente du coup. Oui, c'était la saison précédente qu'il avait gagné. Donc voilà, David PLS. Ah non, princesse, mais je vois que Baby Burn veut prouver à maman qu'elle est une beautiful angel de compète. Complètement. C'était en L2 sa victoire. Non, il n'avait pas gagné. Enfin, il a gagné la saison dernière, ça c'est certain, une fois. Mais en L2, c'est il gagnait en L2, mais il s'était qualifié une ou deux fois ou trois fois pour la finale, mais il n'avait pas gagné ensuite la finale des L1, qui permettait de gagner la grosse bagarre. C'était ça le principe. C'est que les L2 ne pouvaient pas gagner la grosse bagarre directement. Ouais, je sais, Rémi. Que les gens me reconnaissent. Et Gérardium! Gérardium qui a créé la surprise aujourd'hui. Mais bon, c'est sa deuxième finale déjà. Mais Gérardium qui lui se bat pour sa première victoire.
je vais pas dire de conneries. Oui, Gérardium qui se bat pour lui, pour tout simplement sa première victoire dans l'histoire de grosse bagarre. Donc, on lui souhaite bonne chance. Bonjour les animaux. Comment ça va les animaux? Gérardium qui va tenter de remporter la victoire. La première de son histoire. Dans ce cas-là, bonjour les animaux, retentirait encore une fois. Mais ce n'est pas fait, parce que devant lui, il a quand même deux poids lourds de grosses bagarres. David PLS, Johnny Titan. Bon, il les laisse s'entretuer, c'est peut-être la meilleure stratégie. En tout cas, David PLS qui réussit à prendre l'avantage. Oh non ! Ça y est, c'est le collège pour Johnny Titan. Le retour. Il se fait tabasser par les deux en même temps. Et David PLS qui ne lui laisse pas une seule seconde de repos pour le moment à notre Johnny. Et il attaque maintenant Gérardium. Gérardium qui fait un petit pas sur le côté. Il fait un pas devant, il fait un pas derrière, il fait de tout petits ronds, il fait le boogie-woogie. Attention. David PLS qui lui tire le bras. David qui prend l'avantage dans ce début de match. Ça part bien. Et Gérard qui le contre. Attention. Attention. Johnny Titan, troisième finale. Il cherche toujours sa première victoire de la saison. Il serait peut-être temps, Monsieur Titan. Parce que sinon, ça va devenir Monsieur Tempille. Ça ressemble pas vraiment à Titan, mais c'est pas grave. Et Johnny Titan qui se réveille. Qui va repousser David. Tandis que Gérard se repose. Sous la première corde. David était très bien parti, mais là, la riposte de Johnny Titan est terrible. Attention, Gérard est là, à nouveau. Et il profite. Mais Johnny Titan va l'attaquer maintenant à son tour. Pour l'instant, Gérardium est le moins convaincant dans cette finale. Et le plus convaincant, c'est difficile à dire parce que David PLS avait bien commencé. Attention, Johnny Titan qui fonce sur Gérard. Gérard. Imaginez Princesse Enfant avec sa petite robe rose, sa petite couette blonde, sa moustache mine. J'attendais pas. Bien joué. Maman, pourquoi j'ai une moustache? Bien, ça arrive. Oh. Ça arrive. J'en sais pas. Voilà. Attention. Dominique? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi Dominique? Je sais pas. Je sais pas d'où ça sort. Non, Dominique, le jaune n'est pas là. Non, Gérard face à Johnny Titan. Allez, il est revenu. Parce que je veux être princesse, maman. Ah, il est avec nous. Ben oui, ben, c'est certain, mais c'est inquiétant qu'il soit avec nous. Hein. Vérifiez s'il vous a rien volé, hein, déjà. Ouh, et Gérard qui se réveille enfin. Attention, Gérard. Gérard, ah bah il se sera pas réveillé très longtemps. David PLS qui va essayer de le virer. Il va essayer de le lever. Attention, Gérard en grande difficulté face à David PLS. Est-ce que David va le retourner? S'il le retourne, c'est fini pour Gérard. Mais Gérard a l'air de tenir. Gérard a l'air de tenir. Et Gérard tient. Alors là, celle-là, je m'y attendais pas. Je pensais que Gérard allait être le premier sorti, mais il est toujours là. Ce qui serait beau. Ça arrangerait bien tes affaires. Mais ça, il y a des choses que même Dominique ne peut pas voler. Il peut voler les trophées, attention. Mais bon, voilà quoi. Tout le monde n'est pas Messi à la Coupe du Monde de football. Oh là là. Je me rappelle, j'étais avec toute l'équipe de Frage Spiel ce soir-là. Et comment ils se foutaient tous de ma gueule parce que je regardais le foot sur mon portable. Et que j'étais en mode, allez, ils se foutent tous de ma gueule parce qu'ils aiment pas du tout le foot, ils considèrent que c'est vraiment. Et moi j'étais en stress total. Et je n'ai pas commenté parce que je raconte ma vie, mais David PLS vient de se faire éliminer par Johnny Titan. Incroyable, Johnny Titan à une marche du titre. Ah, ils ont le droit de pas aimer, mais se foutent de ma gueule quand même. Terrible. Et Gérardium qui se défend face à Johnny. Il va pas se laisser faire. Gérardium va pas se laisser faire. Si Johnny veut son titre, il va falloir aller le chercher dignement. Il va falloir aller le chercher dignement avec toute la hargne. Et attention, Gérardium le met dans une difficulté monstre. Gérardium qui remporte la grosse bagarre.
Gérard Niam, sa première victoire dans Grosse Bagarre, c'est historique. Et c'est encore Salomé qui gagne, c'est incroyable. Non mais c'est dingue. Gérard Niam, et ça veut dire que les deux gagnants du soir sont des Beautiful Angels. Les deux gagnants sont des Beautiful Angels. Mais Salomé, depuis que t'es leur coach, qu'est-ce que tu leur donnes à bouffer? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe chez les Beautiful Angels? Ils veulent aller chercher le titre de la meilleure équipe. Gérard Niam, qui aurait parié sur ce mec? Première victoire de Gérard Niam. Gérard Niam a plus de victoires que Fragitian Nut. Bah, elle a truqué le jeu, on le sait ce soir. Je donne de l'amour dans tous mes petits plats. Oh là là, mais c'est dingue. C'est fou. Pour moi, le plus nul de Grosse Bagarre, ça restera quand même Fragitian Nut. Fragitian Nut, il a été là pendant 5 saisons. 5 saisons Fragitian Nut, donc 62 apparitions. 0 victoire. 0 finale. Et seulement, en 5 saisons, moi je dis seulement, 31 KO. Sachez que Fragitian Nut est moins bien classé que Omicron. Omicron, il a été là une saison. Il a fait 13 apparitions. Il a eu une victoire de finale, 17 KO. Il a plus de points que Fragitian Nut dans le classement général. Nut, ouais, tout à fait. Scorpate. Ah, mais incroyable. Cette émission, incroyable. Baby Blue en deuxième victoire d'affilée. Gérardium qui fait gagner doublement les Beautiful Angels. Waouh. Purée, mais c'est pas possible. Pourtant, quel personnage avait Fragitian, ouais. Jamais dans nos cœurs, hein. Mais bon, il était vraiment trop nul. Et puis à un moment donné, Fragespiel, c'est plus trop... C'est endormi. C'est un volcan endormi, Fragespiel. Qui sait s'il se réveillera un jour? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas, en tout cas. C'est entre les mains d'un petit homme chauve. Rappelle-nous où on part lundi. Ah oui, il est temps. Du Fragespiel. Ah ouais, mais moi aussi j'aimais beaucoup Fragespiel. Salut bien Wolf, t'arrives un peu en retard. Faut pas se le cacher, si je suis dans cet écran là, ça pue du yonf. Ah là, j'ai rien mis son terreau pour plantes grasses en écoutant du disco. Ah ouais, mais là c'est incroyable. Et puis Géranium, c'est un petit peu le personnage que j'ai copié pour faire mon style dans les vidéos TikTok et Instagram. Damn. Ah ouais, là, c'est un petit peu... Mais bon, t'arrives juste après les finales. Bon, après, t'as toujours la rediff. Et puis bon, je te rassure, Grosse Bagarre, ce n'est pas terminé. Bon, c'était la mi-saison. C'était quand même important de savoir où est-ce qu'on en est. Et ce soir, si vous passez, n'hésitez pas. Peut-être dans une demi-heure, le temps que je fasse les calculs, que je télécharge, que je regarde ce qui s'est passé et que je mette les points. N'hésitez pas à passer sur le Discord et sur les tableaux pour voir où ils en sont. Point d'exclamation Discord, bien sûr. Pour voir où ça en est, cette histoire de Grosse Bagarre dans le tableau. Peut-être seulement de la saison 7 et dans le tableau du classement général. Sardanus, des pattes en forme de lettres et d'étoiles dans le bouillon. Ah bah oui, bah c'est sûr. Et puis ça écrit des mots. Ça écrit la mort, bien sûr. Pour Nostradanus. Baby, on des céréales et du choco-cho. Ça marche bien. Les céréales dans le choco-cho. Autant je suis assez ouvert, mais j'aime bien séparer les deux quand même. Oh là là. Xena du mammouth avec des pâtes. Des bonnes patates de la comté. Ah là là. Et oui, alors lundi, on part où lundi? Lundi, on part en Suisse. Et oui, lundi, on part en Suisse dans Music From. 21h comme d'hab, incroyable. La Suisse. Music From, en Suisse. Voilà. J'ai trouvé des trucs, mais voilà, je vous spoil déjà d'entrée. J'ai pas trouvé de groupe moderne qui fait du yodel. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il en existe, mais en tout cas, j'en ai pas trouvé. C'était hyper compliqué de chercher ça en particulier. Mais de toute façon, voilà, c'est pas non plus. J'aurais bien aimé, j'en ai pas trouvé. Si vous en trouvez un, limite, pourquoi pas. Mais voilà, ne cherchez pas trop, sinon vous risquez de vous spoiler.
Non, mais la Suisse, ouais, il y a, voilà, on va essayer de voir ce qui s'y passe, en tout cas. De voir ce qui s'y passe. Et puis attention, gros warning, vous pouvez mettre les gros warnings s'il vous plaît tous ensemble, on met les gros points d'exclamation entre ce que je vais dire. Grosse bagarre, ce n'est pas vendredi prochain, c'est jeudi prochain. Vendredi je ne pourrai pas être là, c'est jeudi prochain. Regardez-moi dans les yeux, jeudi grosse bagarre. Jeudi la bagarre. Jeudi la bagarre, tout à fait. Et là, à des frites que j'ai payées à Memphis avec la sauce Memphis et les onion rings par Memphis. Fils de pute, ce roi de la Belgique quand même. Il y aura du yodel. Alors, grosse bagarre, on peut en faire, hein, y a pas de souci. Là, si tu vas, t'es content. Voilà, c'était ridicule à souhait, c'était bien cringe. Merci beaucoup de m'avoir fait ça. Tu feras un rappel, ouais. Je ferai un rappel. Moi je dis vendredi, non, ça sera jeudi, grosse bagarre, je peux pas faire autrement. Et Rémi, non. Il y a des moments drôles que vous auriez pu clipper quand je parle des bites de canard, tout ça. Ça c'était clipable, ça me dérangeait pas. Mais moi qui gratte un truc, qui super cringe, c'est pas le moment. Oh putain. Jeudi les enfants. Et je serai en compagnie donc voilà de du batteur de mon groupe Matisse. Voilà. Quoi les bites de canard? Oui, j'ai parlé des bites de canard pendant l'émission. En disant qu'elles étaient énormes et qu'elles étaient en spirale pour bien enfoncer. Voilà. C'était terrible. Énorme. Énorme. Ah ouais, je serai avec Matisse, le batteur du Pampoitou Quartet, qui sera avec nous. Qui sera avec nous pour parler de la bagarre, tout ça, voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit en début d'émission, je vais reparler rapidement des autres projets, voilà, tout ça, voilà. Comme ça, je suis avec vous, vous savez tout, et voilà, ça fait un certain moment qu'on a lancé live, tout ça, c'est pas grave, et après j'ai des choses à faire, mais c'est normal. Pour vous expliquer, grosse bagarre, il faut que je réattire des gens, voilà, tout ça, voilà, parce que j'estime que les histoires, ça m'a pris énormément de temps, et ça a pas ramené vraiment de public, même si vous pouvez aimer ça, même si c'est plutôt cool à faire dans la mythologie de grosse bagarre, c'est très chronophage et je sais pas si j'aurai le temps d'en faire cet hiver pour la prochaine saison, donc à voir, et voilà, mais j'espère qu'en tout cas que le public ne va pas s'en aller pour grosse bagarre, parce que si ça venait à partir, moi grosse bagarre, peut-être que ça allait continuer sur YouTube ou un truc dans le genre, mais je veux continuer ça avec vous en tout cas, et c'est vrai que je prends des risques parce que la prochaine saison va être assez gargantuesque, voilà, j'ai trouvé le concept, j'ai trouvé le machin, il y aura peut-être pas les histoires, mais il y aura d'autres trucs, et ça serait assez gargantuesque, voilà. C'est ma vie, mais moi aussi, c'est ça le truc, c'est que j'adore grosse bagarre, et à côté de ça, je voulais vous parler du Labomatic. Le Labomatic, j'avais bien avancé dessus, tout ça, voilà. Je fais quand j'ai des envies, tout ça, voilà. Mais je me rends compte qu'il y a un des jeux qui ne fonctionne pas, en fait, dans ce que j'ai fait. Il y a un des jeux, ça me fait chier de le dire, mais il faut peut-être que je le fasse autrement ou je sais pas quoi. Mais il y a un des jeux qui ne fonctionne pas, tout simplement parce que il nécessiterait d'être sur ordinateur et que je sais qu'il y en a qui regardent le Labomatic par portable. Donc, compliqué de demander aux gens qui sont sur portable, quand ils veulent regarder sur portable, aller sur ordinateur parce que sinon, vous ne pourrez pas jouer. C'est compliqué, c'est pas facile, c'est voilà. Parce que en gros, il y avait un jeu qui vous devait vous amener sur un drive, sur un truc, sur des documents qui permettaient de répondre à un truc. Je trouvais ça sympa, mais j'avais oublié que les gens utilisaient aussi des portables pour regarder le Labomatic. Donc, il y a un jeu qui ne fonctionne pas et ça me fait chier parce que je l'aimais bien ce jeu. Le storytelling, c'est le plus important. Faut voir la série docu, le calge dans la peau. Eh bien, je sais, mais à la fois, le storytelling, voilà, je fais les histoires, mais c'est super long à faire. C'est super long à faire. Ça m'a pris. Je le répète encore, mais tout ce qui est partie histoire que vous voyez dans les histoires, ça m'a pris un mois entier. Tout le mois de juillet, je n'ai fait que ça. Je me levais le matin, je me couchais le soir, après avoir fait que du grosse bagarre. Voilà. Je faisais que du grosse bagarre. J'avais même mis le projet des Jean-Louis en pause. J'avais mis le projet de mon poète au corps tout en pause. Je faisais que ça.
Et j'ai envie de dire non à refaire. Alors peut-être, je dis pas non peut-être à une petite histoire comme je l'avais fait la saison précédente, ou peut-être une seule histoire éventuellement qui arriverait de temps en temps, voilà. Mais voilà. Je veux un drapeau grosse bagarre. C'est le goodie que tu veux. Je veux un coussin grosse bagarre. Ah, je veux un autocollant grosse bagarre sur ma toto. Ah là 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 là. Et en faire de la pub partout. Bah, en tout cas, Salomé, si t'es bien parti pour gagner un goodie, en tout cas, hein, là, avec Princesse Testostérone d'un côté. Et ouais, ça, on peut regarder rapidement ou est-ce que... Ah ben non, autant le faire après. Mais bon, autant le faire maintenant la semaine prochaine pour vous dire après la mi-saison où est-ce que vous en êtes avec vos esprits liés. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas perdre espoir pour ceux qui sont encore en bas du classement parce qu'il y a toute une saison. Là, ce qu'on vient de voir, c'est une mi-saison. Ça veut dire qu'en une autre mi-saison, eh ben, tout peut encore arriver. Tout peut encore arriver. Voilà. Je vous le dis, c'est grosse bagarre. Là, plus les émissions vont avancer, plus les personnages vont encore gagner que ça va devenir compliqué. Mais en attendant, tout est encore possible puisque après une saison, une mi-saison, eh ben, rien n'est joué. Mais c'est à partir de maintenant, que là, ça commence à devenir chaud à chaque émission. On le sait, la mi-saison, c'est très important pour ça. Parce qu'on sait ce qu'on est capable de faire dans la moitié de la saison. Donc, l'autre moitié de la saison, soit tu rattrapes tout, soit tu te fais déglinguer complètement. Voilà. Souvent, ceux qui partent mal finissent mal. Voilà. Dans l'expérience que j'ai de grosse bagarre, il y a souvent des personnages qui, je ne sais pas pourquoi, ils sont le cul bordé de nouilles d'une saison et parfois, ils sont maudits du cul. Voilà. Par exemple, Docteur Frappé, la saison dernière, il était vraiment béni des dieux. Voilà, je n'ai pas compris, mais il était béni des dieux. Voilà. Et je n'étais pas ce dieu, hein, qu'on serait... Voilà. Je n'étais pas ce dieu. Voilà. Il était vraiment béni, il marchait sur l'eau. Là, cette saison, Docteur Frappé est une merde. Docteur Frappé is a big shit. Voilà, je le dis. Ça me fait chier, je suis le premier à le dire. D'habitude, Docteur Frappé, il a au moins le mérite de faire plein de chaos dans une saison. Là, c'est vraiment la pire saison qui signe depuis le début, quoi. Et là, cette saison, voilà, des personnages comme Zenka, par exemple, Zenka, elle est maudite du cul. Elle est maudite du cul. Xena, c'est pareil. Xena est maudite du cul cette saison. Voilà. Bon, Marie Rouge, je commence à être habitué. Hein. C'est toutes les saisons, mais bon, elle est appréciée. Donc, forcément, les personnages appréciés, j'essaie de les remettre de temps en temps. Voilà, tout ça, voilà. D'ailleurs, petit sondage, maintenant, tout de suite, répondez du tac au tac, s'il vous plaît. S'il y a un personnage en particulier qui vous manque dans Grosse Bagarre, qui a été dans Grosse Bagarre et qui n'est plus dans Grosse Bagarre, n'hésitez pas à en parler maintenant parce que je travaille sur le casting de la saison prochaine. A priori, j'ai fait une première ébauche du casting qui me plaît bien, mais rien n'est arrêté avant que je commence à faire eh bien, tout ce qui est montage, tout ça, voilà. Enfin, tout ce qui est montage, tout ce qui est tournage, des entrées, des coups, tout ça, voilà. Lucifer, ils... alors attention, qu'on s'entende, hein. Vous me dites des noms, ça veut pas dire que je vais les prendre. Hein. ça veut dire que je peux les considérer. Lucifer, le dieu de la mort. Par exemple, typiquement, le dieu de la mort, c'est compliqué. Typiquement, le dieu de la mort, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que dans chaque équipe, vous l'avez remarqué maintenant, il y a un poids lourd. Et le dieu de la mort, il, à part Enfer et Pierre, il n'y a pas vraiment d'autres équipes dans lesquelles il peut être. Et dans Enfer et Pierre, il y a déjà un poids lourd qui s'appelle des démons. Donc, c'est pas facile de réintégrer le dieu de la mort. J'avais essayé d'en faire une version skinny, mais du coup, bah, elle passait pas parce que c'était moins impressionnant. Voilà. Et l'écureuil, car son intro me manque. Si son intro te manque... Ah, Ah, putain, je viens... J'ai eu un ascenseur émotionnel, Capitaine Flames, parce que je pensais que tu parlais de la musique et j'allais dire ah si elle te manque tout ça voilà, mais en fait non, tu parles de l'écureuil directement. L'écureuil, ok. Je sais plus qui y a plus. Bah qui y a plus, bah je peux vous faire une petite liste hein, des gens qui y a plus. Hein. Y a plus. Il y a plus Gédéon, Gilles Max Sanders, il y a plus Capitaine Barbocu, Kitsch Lorraine, Candy Raton, Lucifer, Devil Poitier, Princesse Coco, Basil Butor, Fraggy Chen Newt, forcément. Un peu plus vieux, il y a Zombie Chan, il y a Donut, qui est plus là non plus. Voilà, ce genre de personnage, quoi.
King, il y a King qui pue là, voilà. Qu'en dira-t-on, je suis ok. C'est bien, qu'en dira-t-on? King, qu'en dira-t-on? J'aimais trop qu'en dira-t-on. J'étais juste en train de... Ouais. On verra. Faudra que je regarde. Parce que du coup, si je mets qu'en dira-t-on... Bon, je suis pas sûr de la mettre, mais... Je verrai. Je verrai. Ok. Attention, je le répète, je prends les trucs. Mais ça ne veut pas dire que je les mettrai. Parce que, voilà, il y a aussi des idées qui sont nées, qui sont peut-être intéressantes. J'essaie de ne pas faire des personnages qui se ressemblent trop. Tout ça, voilà. C'est toujours compliqué. C'est le casting, c'est toujours parfois je m'arrête sur un casting et je le rechange, genre où je me dis ah là, ça y est, c'est bon, j'ai le casting parfait, et une semaine après je rechange tout. C'est terrible, voilà. Mais j'ai un truc qui me plaît, très coloré pour le moment, donc voilà, on verra bien. Bon, bah voilà, c'était bien cette grosse bagarre. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a passé un bon moment tous ensemble. Je sais que vous aimez bien quand je fais des petits raids, la Megateuf. Je voulais appeler un album Megateuf, mais finalement je le ferai pas. Parce que c'est pas hyper... Voilà. Alors... Ah, y a pas la personne que je voulais raider. Ça me fait un peu chier. On bascule tous ensemble sur les qualifs de F1, pourquoi pas. Bon allez, aujourd'hui, on va pas faire de raid. Ok. Si elle continue, ça me tue, mais elle est à la retraite. C'est toujours la possibilité, hein. On sait que quand ils sont trop nuls, à un moment donné, ils finissent par partir. Et ben voilà. C'est terminé. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Je vous remercie avec beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très bonne soirée, accompagné du plus grand des plaisirs, voilà. Juste un mot, j'y pense, vous avez découvert toutes les premières parties des histoires, j'espère qu'elles vous ont plu quand même, voilà, que c'est fait un petit peu avec l'arrière de la bite, mais j'espère quand même que vous avez trouvé les histoires intéressantes, un peu rigolo, et voilà, j'espère qu'on se reverra très vite. Pour du nouveau, déjà la Suisse lundi, grosse bagarre jeudi, et trop bien, tu rigoles, bah merci beaucoup. Et des bisous à tous, à bientôt pour la Suisse. On se dit générique. Grosse bagarre, c'est cool. On s'est bien amusé avec la grosse bagarre. Doubidoubidoubida, la grosse bagarre, c'était sympa, c'était cool, c'était trop cool, c'était